Bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. D'abord, cette nouvelle. Six nouveaux individus, dont les membres du M23, du groupe Tuéweneo, ADEF et AFDLR, ont été ajoutés à la liste des sanctions des Nations Unies. En effet, c'est la France, les États-Unis et les Royaumes-Unis qui ont recommandé l'inscription plutôt de ces six nouveaux individus, parmi eux Willy Ngoma, major et porte-parole militaire du groupe armé M23, le Rwandais Apollinaire Hakizimana, commissaire à la défense des AFDLR, et Fola Michel Rukunda, connu sous les surnoms de Makanika, commandant et leader militaire du groupe armé Tuéweneo, Ahmad Mohamed Hassan, lieutenant général et haut dirigeant des ADEF, Mohamed Ali Kaloubo, responsable des opérations des ADEF, William Amouri Yakutumba, dirigeant politique et militaire accusé d'entraver le processus de désarmement. Vous le savez certes que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déposé mardi 20 février 2024 sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, le gouvernement reste en place à cause de la situation particulière que traverse le pays. C'est ce qui émane du communiqué officiel du directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui autorise le membre du gouvernement à expédier les affaires courantes. Reportage. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu, conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga et avec, comme voie de fait, la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, premier ministre et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'est dans l'après-midi du mardi 20 février 2024 que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déposé sa démission auprès du président de la République au nom du gouvernement qu'il a dirigé 3 ans et 5 jours durant. Ce sont les consultations nationales que le chef de l'État avait initiées en novembre 2020 qui l'avaient conduit à la tête du gouvernement depuis le 15 février 2021. Et dans un communiqué officiel émanant du directeur de cabinet du chef de l'État après la démission du Premier ministre Samalukonde, le président de la République a autorisé les membres du gouvernement à expédier les affaires courantes. À ces sujets, le chercheur et analyste politique Jean-Claude Mubenga réagit en ces termes. Nous sommes dans un contexte exceptionnel de la guerre. Ce soir ou demain matin, les bombes peuvent tomber à Kinshasa ici. Imaginez, nous n'avons pas un ministre de l'Intérieur, nous n'avons pas un ministre de la Défense. Parce que tout le monde est parti à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général, c'est vrai, ils vont jouer l'intérêt, mais ils ont quelle maîtrise des dossiers. C'est un moment très sensible où ce n'est pas parce que le chef veut violer la Constitution qu'il est en train de faire ça, mais c'est vraiment dans un cadre de force majeure qu'on est en train de d'évoluer. Ce n'est pas une situation qui va rester pendant 2-3 mois où ces gens-là vont être à cheval entre l'Assemblée nationale
et le gouvernement. Parce que vous savez, s'ils sont au gouvernement, ils ne peuvent pas être à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale contrôle les activités du gouvernement. Ils ne peuvent pas en même temps être ministre, en même temps député national. C'est incompatible. Ils vont rester là, juste pour la demande du chef. Et au niveau de l'Assemblée nationale, leurs suppléants vont être validés pour ce moment. Du moins, c'est ça ma réflexion. Et en réaction toujours à cette décision du chef de l'État, autorisant les membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, John Numbaya Tita, d'indiquer que cette décision est une bonne chose, étant donné que la Cour n'a pas encore rendu son verdict. Cela ne va pas en l'encontre de la Constitution, dit-il. Suivez-le au téléphone de Pauline Boyo. Nous venons mettre fin à la polémique sur la décision du chef de l'État de laisser le gouvernement poursuivre ou expédier les affaires courantes. C'est une très bonne décision parce que vous êtes tous sans ignorer que la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son verdict. Parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de fraudeurs, des gens qui ont été nommés au niveau de la publication des résultats provisoires, nous savons tous, et aujourd'hui nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse nettoyer la Cour, afin que ceux-là qui ont été réellement votés soient présentés devant le public comme nous autres. Voilà, donc la décision du chef de l'État de laisser le gouvernement expédier les affaires courantes, c'est juste et ça ne va pas à l'encontre de la Constitution. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est le magistrat suprême. Un magistrat suprême peut abolir ou lever une sanction ici d'un jugement, d'un dernier jugement. Raison pour laquelle, vous voyez, il peut même dédouaner quelqu'un qui est condamné à mort. Donc le chef de l'État peut le dédouaner. Il a ces qualités-là, il a ces pouvoirs-là. Donc, ne prêtons pas les oreilles aux ennemis du peuple qui consiste à chercher la peau sur la tête d'un chauve. Nous avons la guerre à l'Est, Kagame nous a déclaré la guerre, raison pour laquelle nous ne devons plus parler du M23, nous devons parler du Rwanda qui nous agresse. Donc, soyons prêts pour la guerre et levons-nous comme les membres d'un seul corps pour que nous puissions bouter Kagame dehors et entrer à l'intérieur du Rwanda, changer ses régimes sanguinaires. De son côté, Prince Epenge, président national de l'ADD Congo et cadre de l'AMUKA, pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a violé intentionnellement la Constitution par cette décision. Par contre, Maître Joseph Kajungulu, porte-parole du parti politique ACER, révèle-t-il que la loi organique prévoit tant de mécanismes. Suivez-les au micro de Maxime Makabou. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a violé intentionnellement la loi mère de la République, qui est la Constitution, à travers sa décision relative à la reconduction de ministres frappés d'incompatibilité pour expédier les affaires courantes, clame Prince Epenge, président national de l'ADD Congo et cadre de l'AMUKA Fayulu. Mais Félix Tshisekedi continue dans la logique de la fraude. Et tout ce qui vient de la fraude, comme on dit que la fraude corrompt, ça corrompt, la fraude corrompt également les décisions. La Constitution est claire parce qu'elle concerne les compatibilités de certaines fonctions. La Constitution dit qu'on ne peut pas être député et à la fois ministre. On ne peut pas être Premier ministre et en même temps député. Vous choisissez l'un et renoncez à l'autre. Vous choisissez l'autre et renoncez à l'un. Mais les mêmes personnes se sont présentées devant la Cour constitutionnelle pour demander l'interprétation. Elles ont été confondues par la Cour qui a demandé que la Constitution soit respectée, soit il est renoncé
à leur mandat de député et sous gouvernement, soit ils renoncent à être ministre et aller à l'Assemblée nationale. Curieusement, Félix Tshisekedi qui ne respecte rien, qui n'a jamais rien respecté d'ailleurs, parce que depuis qu'il est là, il ne fait que violer la Constitution, a préféré encore une fois de cracher sur la Constitution. Faux, rétorque maître Joseph Kajungulu, au porte-parole du parti ACR, qui révèle que la loi organique prévoit tous ces mécanismes et dont il n'y a aucune violation de la part du chef de l'État. Je pense qu'ici, il y a question de la Constitution. L'article 108 est totalement clair là-dessus, que l'incompatibilité de mandat. Vous ne pouvez pas être député et membre de l'exécutif, c'est clair. 78 de la Constitution, la même chose. Mais il faut savoir qu'il y a un cadre organique qui établit la collaboration entre le président de la République et le membre du gouvernement. Dans ce cadre organique, il est prévu ces mécanismes dont il est question aujourd'hui. Ils peuvent démissionner, mais à la demande du chef de l'État, ils peuvent expédier les affaires courantes. Ça, c'est sur le plan juridique, qui est totalement clair. Là, le chef de l'État n'a pas violé ni la Constitution ni la loi. Mais sur le plan social, ça a été très mal vu, interprété par l'opinion, parce que nous avons reçu les appels de plusieurs. Ce que nous demandons à la population, c'est de garder le calme, parce que je ne pense pas qu'ils vont faire un mois, deux mois. Ils ont géré pendant trois ans. Nous avons vu les limites. Ça m'engage que moi, c'est le premier ministre qui m'a étonné. Je n'ai jamais vu aucune initiative de sa part. Et pour clore ces chapitres, sachez que le président de l'Assemblée, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, a éclairé l'opinion sur ce qui se passe avec les personnes frappées par l'incompatibilité. Pas de démission. Ils doivent choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent. Suivez cet extrait. Pas de démission. Ils doivent choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent ou qu'elles occupent. Donc, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de démission. Les ministres présentent les démissions. Les cas échéants, chez le Premier ministre, le Premier ministre présente sa démission auprès du chef de l'État. Donc, l'Assemblée nationale ne reçoit pas de démission de qui que ce soit. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. Du fait qu'ils ont été élus députés nationaux, eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Et après la démission du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, l'Équinoxe voit déjà le futur chef du gouvernement qui, pour eux, doit avoir plusieurs qualités afin de faire face aux problèmes qui rongent le pays. Quel est le profil du prochain Premier ministre? Srakengimbi a interrogé quelques Équinois rencontrés au centre-ville. Suivez. Vous le savez très bien, le chef du gouvernement n'est pas n'importe quelle personnalité. C'est lui qui gère au quotidien la République. Donc, par rapport à cette question, s'il faut vraiment tenir compte des critères ou bien les profils de celui qui va assumer la responsabilité du gouvernement, il doit être une personnalité hautement politique. Il doit être un patriote, celui qui aime bien son pays. Et qui connaît bien le quotidien de chaque Congolais. Parce que le vrai problème, ce n'est pas au niveau de la télé ou bien quoi, c'est le vécu. Ce que nous vivons. C'est quoi le panier de la ménagère? C'est quoi, le salaire des fonctionnaires? Nous avons un épineux problème au niveau de l'Est. Il faut aussi que le Premier ministre puisse comprendre que le pays ne peut pas respirer tant que de l'autre côté ça tue. Voilà. Il faut quelqu'un qui, doit défendre son pays, qui ne doit pas tenir compte de ses clivages, soit il est de tel coin, ce que nous appelons tribalisme, népotisme. C'est quelqu'un qui doit être impartial, qui doit être équitable et juste. Voilà un Congolais déjà avéré et qui a eu à passer
une histoire normale de la gestion du pays, qui maîtrise l'histoire de notre pays. Il doit être un homme qui a de l'expérience de notre pays. Il doit être un homme natif de notre pays. Il doit être natif de notre pays. Il doit avoir aussi de l'expérience dans la gestion des choses publiques en République démocratique du Congo. Donc, je souhaite une très bonne chance au futur Premier ministre, mais surtout qu'il maîtrise l'Est du pays. Qu'il doit maîtriser aussi l'historique de notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays actuellement, ce n'est pas du nouveau. Ça se passe. Si vous vous rappelez à l'époque où Lumumba fut le Premier ministre, il y avait des tentatives de sécession katangaise. Et on avait mis fin à ça grâce au leadership des dirigeants de l'époque. Raison pour laquelle, comme notre pays est en train de traverser un moment très difficile, nous avons besoin d'un Premier ministre qui est très expérimenté, qui maîtrise mieux l'histoire politique de notre pays. Le dernier qui vient de passer, déjà il n'était pas vraiment trop bien. Alors nous souhaitons vraiment que les prochains qui vont venir, qu'ils soient à l'auteur de ce que nous cherchons pour notre pays. Alors surtout avec les taux de notre monnaie et tout. Donc voilà un peu quoi. La situation plutôt sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rappelé qu'il est crucial de souligner le risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant d'apaiser les tensions et à trouver de solutions politiques durables au conflit actuel. Suivez. Il est crucial de souligner le risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échoue. Je tiens à saluer les efforts diplomatiques continus du président angolais João Lourenço et je réaffirme l'engagement total de la MONUSCO à soutenir les processus de paix de Luanda et de Nairobi. J'en appelle également vivement au Conseil de sécurité pour qu'il pèse de tout son poids sur les initiatives de paix régionales en cours et veille à ce que toutes les parties respectent le droit international, leurs engagements et œuvrent de manière constructive pour mettre fin à la crise actuelle. Bien que l'escalade du conflit à Goma et dans ses environs soit une préoccupation majeure, la situation sécuritaire dans d'autres zones du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu suscite également une profonde inquiétude pour la MONUSCO. La nouvelle a fait grand bruit. L'Union européenne et le Rwanda disent conclure un accord visant à favoriser des chaînes de valeur durables pour les matières premières. En réaction, le politologue Joseph Kongolo a indiqué qu'au moins nous sommes en train de savoir qui sont nos ennemis avec précision. Suivez. En réaction à l'accord conclu entre le Rwanda et l'Union européenne visant à favoriser des chaînes de valeur durables pour les matières premières, le politologue Joseph Kongolo d'indiquer que cela démontre à suffisance toutes les incohérences qu'il y a dans le verbiage diplomatique de l'Union européenne. Et de chaque membre de l'Union européenne, et en particulier aussi les États-Unis qui sont l'allié principal de l'Union européenne. Donc, ça montre bien que c'est une réplique de la surmilitarisation du Congo, surarmement du Congo, et on a trouvé un canal précis pour transférer des armes sophistiquées au Rwanda et pour combattre le Congo. Donc au moins nous sommes sûrs de savoir, connaître avec précision qui sont nos ennemis avec précision, et là nous avons la certitude que l'Union européenne est parmi les ennemis déclarés de la République démocratique du Congo, parce que en lieu et place de la condamnation, et prendre des sanctions, c'est l'occasion pour l'Union européenne de signer des contrats sur un pays pauvre, parmi les plus pauvres du monde, en sol, en sous-sol. Alors, ça montre bien que c'est un canal, un prétexte tout simplement pour transférer des fonds, mais aussi des armes lourdes pour combattre la République démocratique du Congo et peut-être
assouvir leur soif de balkaniser le Congo. C'était une guerre des puissances, ça n'a jamais été une guerre du Rwanda. C'est une guerre des multinationales, les multinationales qui font, n'est-ce pas, l'intérêt de leurs États. Donc nous savons de tout temps que ça n'a jamais été une guerre seulement du Rwanda, qui n'est qu'un sous-traitant dans cette guerre. En réalité, ce sont les multinationales qui sont derrière le Rwanda. Donc nous le savons, et aujourd'hui, au moins, ils ont démontré, ils sont sortis au grand jour. Nous savons les nommer aujourd'hui, comme nous avons nommé le Rwanda. Nous pouvons nommer aussi l'Allemagne, nous pouvons nommer la France, nous pouvons nommer la Belgique, nous pouvons nommer tous les États de l'Union européenne, et en particulier les États-Unis qui sont leur allié naturel. Dans un autre chapitre, sachez que le secrétaire rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a fait le point sur l'essentiel de la plénière du lundi 19 février 2024, au terme de laquelle a été décidé de la mise en place de la commission spéciale en charge de l'élaboration du règlement intérieur. Suivez. Comme vous le savez, ayant finaliser la première mission des trois missions conférées au bureau provisoire, nous entamons la deuxième mission qui est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et c'est dans cet esprit que nous avons eu une plénière hier qui portait sur l'expression du critère d'abord de représentativité des caucus provinces qui doivent nous donner trois délégués, le règlement intérieur étant l'outil qui doit régir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il doit bien évidemment respecter l'esprit de la Constitution, mais au-delà de cela, c'est aussi de tenir compte du parallélisme du contexte socio-économique politique actuel, mais aussi de celui du passé, afin de pouvoir rendre à l'Assemblée nationale les outils qui lui permettront de pouvoir adresser les enjeux de l'heure. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, et comme vous savez, il y a des enjeux économiques, sociaux, et cela demande que le Parlement, l'Assemblée nationale dans ce cas précis, qu'il puisse être au jour afin de pouvoir permettre aux parlementaires de porter haut et fort les desiderata de la population et que l'institution soit réellement au service de cette population et de notre nation en général. La prochaine étape, comme vous le savez, c'est que maintenant que nous réceptionnons les trois recommandés par Caucus Province, nous allons entériner la constitution de la commission spéciale chargée de l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et va suivre la présentation du bureau qui va présider cette dite commission. Et la commission aura un délai pour pouvoir travailler de manière technique, aussi scientifique et juridique, et nous produire le règlement intérieur qui pourra conduire la législature actuelle. Je pense que dans l'esprit de la continuité de l'État, nous allons bien évidemment respecter l'esprit de l'ancien règlement. Mais comme nous l'avons dit, c'est de l'adapter au contexte socio-économique politique actuel qui demande bien évidemment des avancées et des réformes. Et pour terminer, sachez que l'humanité a célébré ce 21 février 2024, la journée internationale de la langue maternelle. Une journée placée sous les thèmes, l'éducation multilingue et un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Suivez ces papiers informatifs de Fiston Gallet. La journée internationale de la langue maternelle souligne le rôle des langues dans la promotion de l'inclusion et la réalisation des objectifs de développement durable. Les politiques d'éducation multilingue mises en avant grâce au thème 2024, l'éducation multilingue est un pilier d'apprentissage intergénérationnel, sont cruciales pour l'éducation inclusive et la préservation des langues autochtones. En commençant l'éducation dans la langue maternelle de l'apprenant et en introduisant progressivement d'autres langues, les obstacles entre la maison et l'école sont surmontés, ce qui facilite un apprentissage efficace. L'éducation multilingue favorise non seulement des sociétés inclusives, mais contribue également à la préservation des langues non dominantes, minoritaires et autochtones. Elle est la pierre angulaire d'un accès équitable à l'éducation et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous les individus. Cependant, il est à noter que la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans sa langue maternelle, un chiffre
qui dépasse les 90% dans certaines régions. Les études soulignent les avantages de l'utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement car elle favorise de meilleurs résultats d'apprentissage, l'estime de soi et l'esprit critique. Ici est de souligner que la Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée pour la première fois par l'UNESCO, puis adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention.